Bonjour à tous, merci de nous accueillir pour ce premier match de Ligue 1 Conforama de la saison. C'est comme ça qu'il faut dire. Je vais avoir le plaisir de commenter cela avec vous, Pierre. Oui, et une nouvelle saison et on va voir si les joueurs sont bien dans leurs meubles. Et dans ce match, nous retrouvons Toulouse face à l'AS Monaco. Alors que vous découvrez la composition de cette équipe de Toulouse. Je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1, on s'en souvient, c'est le système qu'utilisaient les Français en 98, mais aussi en 2006. Le réalisateur qui vous présente la composition du 11 de départ de l'AS Monaco. Côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. Dispositif ingrat pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. Diop. Oui, il a pris l'information, il a vu qu'il avait du soutien. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Ah non, ce centre qui n'aboutit pas. Ah, il dégage ce ballon. Touche pour l'AS Monaco, dit l'arbitre. Diop. Il cherche le second poteau. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Allez, le centre maintenant. Allez, il y a du monde pour reprendre. Ah, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement. Il prend sa chance. Ah, c'est complètement manqué ça. Cette distance, on se demande comment il fait. Je me demande s'il n'y a pas eu un faux rebond ou un truc dans le genre. Lycia Gassila. Giorgio. Christopher Julien. Iranchuk, Capou, Torres. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. La défense qui maîtrise la situation. Diop. Antonio Barreca. Ah, elle a lutté à Prin pour reprendre ce ballon. La Serge Adli. Allez, le centre à venir. On a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir. C'est donc un corner. Ce joueur qui a obtenu Vertonghen. Oh, le gardien qui s'en sort. Oh, c'était pas évident. Il était bien sur ses appuis. Franchement, on peut le féliciter. Lycia Gassila. Public qui sent bien que son équipe... Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Il va y aller. La parade du gardien. Ouais, ils ont réussi à s'en sortir, mais ils ont eu un petit coup de chaud, là. Le tir. Le gardien qui repousse. Attention. Christopher Julien, Capou. Iranchuk. Lycia Gassila. Chargé. Etienne Capou. Attention à la frappe. Et le but inscrit à l'issue d'un mouvement collectif qui a vraiment donné le tournis à la défense, Pierre. Ouais, comme tu dis, Hervé, les mecs se sont trouvés les yeux fermés sur cette action. C'est vraiment bien joué. Et on peut constater une fois de plus le sang-froid, la lucidité de ce joueur dans le dernier geste. Parfait, rien à dire. Beaucoup de joueurs paniquent souvent lors du dernier geste en voulant trop bien faire. Avec lui, tout paraît toujours tellement simple. Et c'est le TFC qui mène. Wesley. Il récupère le ballon sur cette interception. L'arbitre a décompté 2 minutes de temps additionnel.
Antonio Barreca. La Serge Adli. Torres. Allez, mi-temps, c'est la mi-temps. Allez, c'est parti pour la seconde période. Le ballon est monégasque. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. La Serge Adli. La Celsa. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Torres. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Fausse alerte finalement. Bon Pierre, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il a été plutôt bon quand même au cours de ces 45 premières minutes. Hein. Il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause. Ça va le mettre en confiance pour la seconde période. Allez, peut-être le but égalisateur. Ouais, la belle parade. La belle parade, il éloigne le danger avec un incroyable arrière-réflexe. Ouais, l'adversaire était à bout portant, mais c'est lui qui a eu le dernier mot, bravo. Un corner bien. Oh, que c'est mal joué, mais que c'est mal joué. Ah, il a cherché la complication et ça passe vraiment loin en plus. Christopher Julien. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. La Ligue Inconforama a l'honneur avec cette rencontre. Le Toulouse Football Club accueillera le Paris Saint-Germain à domicile. Ah, une rencontre qui, je l'espère, sera intéressante. Torres. Allez, qui va reprendre ce ballon. Et ce n'est maintenant plus une rumeur, mais une information. Ah, la bonne inspiration sur cette passe. Les dangers qui s'éloignent, c'était pourtant bien donné. Et les deux entraîneurs procèdent à des changements. La Serge Adli, est-ce qu'il va pouvoir centrer? On écarte le jeu. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Ouais, il dégage ce ballon. La Celsa, Antonio Barreca, la Serge Adli. Oh, il a réussi à passer. Le dégagement pour éloigner le danger. Mirantchouk. Keita Baldé. Alors qu'un changement a été demandé, a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Peut-être l'égalisation sur ce coup. Et le ballon dans les bras du gardien. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Baptiste Santamaria. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Allez, pour relancer son équipe maintenant. On s'approche de la zone de vérité. C'est sans problème pour le gardien. Chargé. Iranchuk. Torres. Ouais, le défenseur qui dégage ce ballon. Il a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Excellente intervention du défenseur là. Allez, il faut qu'il tienne encore 5 minutes. 5 minutes avec ce petit but d'avance. Yuri Tillmans. Antonio Barreca. Plus que quelques minutes à jouer. Tout reste possible. Yuri Tillmans. La Serge Adli. Et le ballon qui change de camp. Et on va jouer 2 minutes de plus. Oh, il a sauvé une occasion importante. La rencontre qui s'achève sur ce score et cette victoire des Toulousains.
L'entraîneur avait insisté sur l'importance de cette première rencontre de la saison. Il doit être content. I'll never decide.